Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Hey coucou les amis, c'est Krim, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du kit d'objets des Sims 4 mini maison. Un pack qui sortira donc le 21 janvier, mardi. C'est un kit qui est clairement orienté construction puisque la principale nouveauté de ce kit c'est le fait de pouvoir créer des petites, voire des toutes petites maisons. Donc il y a beaucoup, voilà, il n'y a pas énormément de choses dans le CS, mais il y a quand même quelques nouveautés que je vais aller vous présenter d'ici quelques instants. Donc ce sera une vidéo CS assez rapide hein, pour une fois. Et avant d'aller voir ça, je voulais quand même vous montrer les nouveaux objets. Donc il y a toute cette collection là qui est vraiment vraiment bien. Hein. J'en ai mis pas mal dans la maison que je suis en train de construire. Oui, je suis en train de construire une maison. Donc j'en ai mis pas mal, vous découvrez ça dans ma vidéo de construction. Personnellement j'aime assez le design, les couleurs, etc. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est que je m'attendais à plus d'objets gain de place. Je m'explique. On a donc les lits escamotables qui sont là, ça c'est très bien, ça permet d'avoir un lit et de gagner de la place en même temps. Mais c'est pour moi le seul objet gain de place. J'aurais aimé plus d'objets dans ce style-là, par exemple des lits superposés, escaliers en colimaçon... même éventuellement chaises pliantes, vous voyez, enfin des petites choses comme ça qui permettent de gagner de la place dans une mini maison. Malheureusement c'est pas le cas. Ceci dit, à part cette petite déception, je suis quand même très très satisfaite des objets. Ils sont vraiment très beaux, très colorés, j'aime le design, c'est sûr et certain que je vais m'en resservir à l'occasion. Voilà, ceci étant dit, je vous laisserai faire votre propre idée dans ma vidéo de construction et on va tout de suite aller voir le CAS. Pour vous présenter les nouveautés du CS de ce kit, j'ai fait appel à Sean. Vous le savez, Sean, c'est le protagoniste de mon challenge Petit Fermier. Et vous savez que j'adore ce personnage, donc je l'ai pris lui et sa femme pour un peu tester tout ça, puisque je me suis dit que c'était l'occasion. Donc on va aller tout de suite voir les cheveux. Chez les hommes, nous avons donc deux nouvelles coiffures. Oh, j'aime ça! Oh, il se pourrait que tu changes de coiffure, mon petit Sean, je te le dis, parce que ça te va quand même vachement bien. Et ensuite, la deuxième coiffure, c'est une coiffure un peu plus frisée et que j'aime un petit peu moins, mais bon, tout lui va à cet homme-là, donc on va faire avec. Ces deux coiffures sont retrouvables aux âges... Voilà, enfants... Oh, c'est trop mignon. Enfants et aussi bambins, puisque maintenant les coiffures... Ah, peut-être pas, je me suis peut-être avancée. Ah non, elle est là. Effectivement, c'est trop beau. Voilà, les coiffures sont retrouvables chez les enfants et chez les bambins. On va aller voir du côté... Alors, je sais du côté des accessoires. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle paire de lunettes. Voilà, des grosses lunettes en plastique. C'est nickel, on dirait les miennes. Je sens que ma Sim Self va bientôt changer de lunettes. On va aller voir du côté des vêtements. Alors, il y a donc 6 nouveaux hauts. Alors, je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous. On est un peu dans ce côté confort, genre à l'aise le week-end. Hein. Oh, j'aime bien. Oh, mais tout lui va. Cet homme est magnifique. Voilà, une petite chemise. Alors ça, j'aime moins. Hein, c'est moins mon truc. Mais peut-être que Sean est trop musclé pour ce genre de tenue. Une veste, alors ça c'est pareil, moins mon style de vêtements. Alors de nouveau, on repart sur un petit chandail façon bûcheron canadien le week-end au repos. Très bien. Et un dernier petit pull, alors plus court que celui-là du coup, oui voilà c'est ça. Plus court, taillé différemment, mais j'aime bien aussi. J'aime bien, alors je rappelle que Sean étant un fermier, ça va très bien lui aller ce genre de vêtements. Qu'est-ce qu'on a en bas qui pourrait coller? Alors, on a deux pantalons. Bon, alors celui-là, ça va pas être mon préféré. Hein. Vous commencez à me connaître. Non, ça va pas être mon préféré. Et le deuxième non plus. Non. Eh ben, écoutez, clairement, c'est pas des pantalons qui vont se retrouver souvent sur mes Sims. Mais bon, pourquoi pas. Ah, alors le corps entier, on n'a qu'une seule tenue. C'est un pyjama, non? Oh oui, c'est un pyjama. Oh, mais c'est un pyjama en pilou-pilou. Eh ben ça, j'aime bien. J'aime bien. Ça lui va bien. Ça lui va bien, le pyjama en pilou-pilou à cet homme-là. Avec les bottes, en plus, ça fait top. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout du côté des hommes pour le CS. On va aller voir du côté des femmes. Pour nous permettre de faire le tour du CS, c'est donc Oran, la femme de Sean, qui va nous aider.
On va commencer par les coupes de cheveux parce qu'il y en a aussi du côté des femmes. Donc on a une petite tresse, j'aime beaucoup aussi. La même coupe que chez les hommes, mais du coup, bon, ça lui va bien aussi, mais effectivement, je la préfère en coupe homme. On a... c'est ça. Oh, j'adore. Alors là, j'adore. C'est un chignon, mais trop bien, avec les petites, avec les petits cheveux qui tombent sur le devant. J'aime beaucoup. Et après, ça, c'est la même coupe que chez les messieurs, mais c'est pas pareil, c'est pas la coupe que je préfère. Donc, de nouveau, ces coupes-là sont disponibles chez les bambins et les enfants. On va lui laisser celle-là, je trouve que ça lui allait bien. On va faire un petit tour dans les accessoires. Alors dans les accessoires, on a les mêmes lunettes que chez les messieurs, voilà. Mais on a en plus une paire de boucles d'oreilles que j'aime beaucoup beaucoup. Qui vient, bah oui, dans plusieurs couleurs, tout pareil. Et un, le collier qu'on ne voit pas bien sûr parce qu'elle a une tenue. On va lui enlever immédiatement. Voilà. Le collier qui va avec les boucles d'oreilles. Donc ça, j'aime bien, je trouve ça très joli. Alors j'ai une préférence pour les boucles d'oreilles plutôt que pour le collier, mais c'est sympathique. Au niveau des vêtements, alors on a aussi 4 hauts. Alors c'est pareil, on est toujours dans le style un peu confortable, qui va bien comme pour chez les hommes. J'aime bien ça. Ah, ça j'adore. Ah voilà, j'ai trouvé mon haut préféré de ce pack, c'est celui-là, j'aime tout, les manches, tout, trop bien. Un autre pull aussi avec une petite veste, bah, j'aime aussi en fait. Alors je, comme d'hab, hein, j'avoue que je commence à préférer le CAS des femmes que des hommes. Et alors ça c'est pareil, ça fait partie des concepts que je ne comprends pas. Il faut choisir, hein, pull en laine ou crop top. Tu peux pas faire un crop top en laine, parce que c'est ou t'as chaud ou t'as froid, tu peux pas avoir les deux. Donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec les vêtements pas réalistes comme ça. Mais en tout cas, le haut est sympathique. Est-ce qu'on a des bas pour aller avec ça? Alors on en a deux. On a une robe un peu droite, en velours peut-être, hein, quelque chose comme ça. Bon, remarquez, ça va bien avec le haut dont je suis pas fan. Il reste un petit peu de peau libre, mais bon. Ah, et là on a un pantalon clairement dans le même genre que chez... Bah, le même que chez les hommes, hein, je pense. Et de nouveau, ça va pas être mon préféré. Encore entier, on en a deux. On a ça. Bah ma foi, pourquoi pas. Oui, bon, bah c'est une espèce de robe toujours très confortable. Ça peut être sympathique. Et on a le même pyjama en pilou-pilou que, effectivement, chez les hommes. Alors, ceci dit, je dis que c'est un pyjama, mais peut-être pas. J'avoue que ça y ressemble quand même drôlement, mais sait-on jamais. Est-ce qu'on a... On n'a pas de chaussures et on n'a pas d'accessoires. Donc voilà, je vous avais promis un CS qui irait vite, c'est chose faite. On a fait le tour, je crois. J'espère que j'ai rien oublié. Et bah, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont plu, si vous avez les mêmes goûts que moi, est-ce qu'il y a des choses... voilà. Est-ce que vous avez eu les mêmes coups de cœur que moi ou est-ce que vraiment ce CS ne vous plaît pas du tout? N'hésitez pas à laisser un petit mot dans les commentaires et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous les amis!